Salut tout le monde, est-ce que ça va bien? Aujourd'hui, je vous montre quelque chose d'un petit peu différent. C'est un jeu qui s'appelle Powder. Et ce que vous voyez à l'écran, clairement, c'est deux genres de bébites qui se touchent une tentacule. Et oui, c'est spécial de même. En fin de compte, c'est un jeu du style roguelike. Donc, si vous connaissez ça, c'est le genre de jeu où ce qu'on creve souvent, où ce qu'on se fait du fun à crever souvent, parce que c'est un jeu qui est. Moi, je pourrais dire ça. Qui donne pas de chance, clairement. Donc, le but dans le jeu là, c'est d'apprendre. Un peu comme quand je vous ai montré je pense que c'est Dungeon of Dreadmore. Bon, c'est dans le même style. Sauf que c'est un petit peu plus simpliste. Puis ce qui est intéressant avec ce jeu là, c'est qu'il vient en plusieurs formats. Présentement, on joue sur la version PC, bien sûr. Mais vous pouvez le pogner sur Mac, vous pouvez le pogner sur Linux, vous pouvez le pogner sur Game Boy Advance, puis sur Nintendo DS. Oui, c'est possible si vous avez un émulateur ou quelque chose de même. Un émulateur, ou bien si vous avez, disons, j'imagine un DS craqué ou quelque chose de même, vous pouvez le mettre dessus puis jouer dessus. C'est quand même assez bien. Puis l'affaire est encore meilleure, le jeu est gratuit. Ben oui. Fait que je vais mettre à l'écran un lien vers le site en question. Donc si vous voulez aller vérifier ça à un moment donné, ben, vous allez être capable. Sinon, le lien va être dans la description du vidéo. Excusez-moi, ça fait beaucoup à dire en pas beaucoup de temps. Fait que on va commencer avec un new game. En fin de compte, je ferai pas de tutoriel pour rien. On va aller directement dans un new game. On va faire un mall. Oui, graph. Bon, bienvenue dans Powder. Le but c'est de descendre 25 niveaux dans le donjon de Beelzebub. De le tuer, de retourner à la surface avec son cœur noir. Beaucoup de monstres, tu sais, dans votre chemin. Une chance, il n'y a pas encore. Il y a une chance que le donjon est plein d'équipements. Donc, c'est sûrement des autres aventuriers avant nous autres. Vous voyez que le style est vraiment simple. C'est justement dans le style. Comment je pourrais dire ça? Le style. Voyons. Ce style-là, là, tu sais. Non, c'est vraiment fait dans le style. Disons, des roguelike. Je pense même que si je viens cliquer là-dessus, on peut servir la souris au moins. Je viens chercher ce font tiles à la bolt. Ah, ben on peut changer le style. Plusieurs styles déjà installés. Je suis pas mal sûr qu'on peut en avoir d'autres. On va chercher classique. C'est très classique. NetHack-ish. C'est dans le style NetHack. Graphical ASCII. C'est quand même en ASCII, pas comme les vieux. Aquamex. Aquamex 12. Oh, c'est plus haute résolution. Quoi? Plus petit. Aquamex 10. Ok, ça doit être pour les formats, disons, pour Game Boy Advance, tout ça. Epson de Grey. Ah, bah c'est pas si pire ça. Je les avais pas tout essayé. Ah, ben celle-là, je l'aime bien. Je pense qu'on va y aller avec celle-là. Fait qu'on a notre petit bonhomme qui fout la rue. On a sur nous autres un Tome of Gold puis un Holy Manual of Armor. Ça va nous permettre d'apprendre des skills. Fait qu'on va lire ça. Read. Un Magic Spell Slot. Frostbolt, Chilling Touch. Magic Missile. Oui, donc. On va prendre Magic Missile. 5 de mana pour le caster. À part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a nouveau un œuf téléporte. Ah, c'est bien ça. Read. Helmet Shield, Body Armor, Boots. Ça, c'est des skills qu'on apprend à partir des livres. Ok. On a appris à mieux utiliser notre body armor, fait qu'on peut être bon, peut-être mieux protégé. Fait que là, on a un letter armor. C'est vrai que des fois qu'on commence avec pas rien pantoute, ça dépend de du bonhomme qu'on génère. Non, fait que. On ouvre une porte. Trouve un arc. On va ramasser l'arc. On a des touches en bas de raccourci, mais tu sais. Il y a des touches au clavier aussi qui font la même job. Fait que je les connais un peu. On va aller à une place où il y a un peu de lumière au moins. J'ai dit, on va aller à une place qui a un peu de lumière. Oh non, c'est quoi ça? On va l'examiner. Fire Beetle, parfaite shape. Elle arrête un combat bien bien dur. Ok. Ah, je t'attaque. Ça me paraît pas, mais je pèse par en bas dans la direction de l'ennemi pour voir. Pour l'attaquer. Puis, je bouffe son corps. Oh, non, non. Ah non. Là, je le bouffe. Eat. Et voilà, il fait noir dans ce bout-là. Oh, il y a une porte déjà ouverte. Oh.
Il y a des portes déjà ouvertes, c'est quoi? Il y a des monstres qui sont capables d'ouvrir des portes. C'est pas une bonne nouvelle pour moi, ça. Non, le jeu a pas de son en passant, c'est normal. C'est pas un problème de son que j'ai, il y a juste vraiment pas de son. Oh! Un gold wand! Demande qu'est-ce qu'ils font les wands? T'as peur, hein? J'en ai deux, je pense. Wand of teleport, puis celle-là est pas identifiée. Fait qu'on va faire un zap par là. C'est le gold one, nothing happens. Bon ben. Puis je le fais sur moi. Ok, bon ben. The brown slimes you. Hard fight. Pas sûr que c'est un hard fight, mais. Alors, on a des spells, je pense qu'on va caster Magic Missile. Boom! Allez, on te l'a zappé raide. Hey, c'est un rat. You missed them. Ah, même pas, c'est même pas un rat, c'est une souris. T'es un peu loin. Hey, viens-t'en ici, toi. Laisse-moi te zapper. Ça va genre mieux, ça m'a revenu en face. Fait qu'on va même pas s'en occuper, je pense. D'abord, le souris n'a pas l'air de déranger grand monde. On va faire un search. Rien. Ok. Ouais, c'est ça, vous avez des touches clavier puis comme raccourci. Donc, vous voyez me faire de. Ben, vous voyez les actions qui passent, tout ça. Dans le tutoriel, c'est pas mal expliqué. Fait que, une bonne manière d'apprendre, c'est justement en essayant le tutoriel. Puis, on pogne beaucoup de salles qui sont vides. Moins qu'il y a une porte. Si on fait search, des fois, on peut trouver des portes secrètes. Puis, notre map. Ouais. On nous dit qu'on peut aller là. Bon, ben. Je viens de te péter une souris, fait qu'on va la bouffer. Oh. Et une autre fois. Oups. Search S. Non. Ok. On a rien par là, rien par là. Oh, Cave Spider. Magic Missile. Yes, on a eu. Onyx Ring. On va ça. On n'a pas d'indication. C'est quoi que ça fait? Si on fait examine. Onyx Ring, petite taille en or, pèse 1. Attaque style, improvise. Ouais, on peut équiper, disons, des armes qui sont pas des armes, puis s'en servir comme une arme improvisée. C'est pas conseillé parce que c'est juste très difficile. Là, j'ai un arc, mais j'ai un arc qui sert à rien. Parce que j'ai pas de flèches. Il faut que je trouve des flèches. Fait qu'on va faire, on va essayer de l'équiper, ouais. Chose your right finger. Ah, bah t'as peu, ouais. Je suis rendu invisible, moi. You are in poor shape. You look like an even fight. You are invisible silent. Ah, bah super, c'est une ring d'invisibilité, ça. Evil, oh. I curse, mais on est invisible. Fait que, oh, c'est quoi ça? De luxe. Ok. It is deaf, silent, puis hostile. Donc ça fait pas de bruit. Il est sourd, puis silencieux. Ok. Non, ben, en plus, moi je suis invisible, fait que bonne chance pour me trouver. Hein. on va par là, il n'y a pas rien. Oh. It's a beetle! Pouf! Ouais, on va te fesser et tu meurs parce que moi je t'ai invisible puis je suis bon de même en étant invisible. Sérieusement, Magic Missile. Mange un Magic Missile dans la face puis je pense que je viens de me zapper ma main. Ah, oh, je me suis manqué moi aussi. On va le réessayer. Magic Missile. You miss yourself. Bon, on va attendre un peu. On va attendre qu'ils s'en viennent vers nous autres. Swing, swing, swing. Get away. Merci, je te bouffe. Oh. Ah, ok. Manger une slime, en fin de compte, c'est pas une bonne idée. Ça m'a fait des dégâts. Mais c'est pas grave. Une souris là. C'est fun des. Oh, une bouteille de water. Oh, et donc, ok.
C'est pas des roguelikes de même parce que c'est tout le temps des donjons générés. Puis, ah, je te fight, ok. C'est des donjons générés. Puis, le but c'est de s'amuser, c'est sûr. Mais, oh. Oh, quand je bébé. Youp, on ferme ça. Oh, moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça génère. Puis, Ah, une purple potion. Oui, donc. On va attendre avec de la calibre, parce que je vais fermer les portes ici. On va attendre une coupe de tour. Histoire de régénérer. Mais c'est ça, c'est le fun parce que on peut genre jumper dedans. On peut genre jouer pendant genre 5 minutes. Puis c'est 5-10 minutes. Puis c'est fait. Ou on peut jouer comme longtemps. Parce qu'il faut quand même descendre 25 niveaux. Et je suis pas sur le bord de descendre 25 niveaux encore. Fait que. Faut continuer comme que c'est là. Bon. Là, j'ai une potion, celle-là, ça c'est de l'eau. Une wooden wand. Wooden wand. Zap. Ben, ça fait rien. Ok. La potion, je pense que je vais prendre la dague qui est ici. Ah, c'est pas une dague. Short sword. Bon, faire dip dans ça. Bon, une purple potion, c'est de l'acide. Fait que c'est bien, là. Fait que j'ai perdu mon arc parce qu'il s'est dissous dans l'acide. Mais c'est pas grave, je pensais peut-être même pas m'en servir. Fait que. Oh! Ça, c'est un giant rat, par exemple. Hein. Swing, swing. Et je level up. On va décider d'être. Là, je sais pas ce que ça veut dire les numéros à droite. Genre 38, 15, 30. Peut-être mon affinité, quoi. Je prends aventurier, je monte pas mal égal partout, mais j'ai rien de spécial. Mais si on voit eux autres, c'est genre. Ils sont découragés de casser des spells, mais ils gagnent pas de mana par level. Tu sais. Non. Moi, je vais être un aventurier parce que je veux au moins être capable de casser des spells pareil. Fait que. Yes! Fait que. Oh! Au petit casque. Peux-tu l'équiper là? Equip head. Chill your head. Laisse-moi deviner. Il est invisible aussi. Puis. Evil Fighter dans le mid. Ok. Qu'est-ce qu'il fait comme effet? C'est l'effet pas marqué. Puis je m'examine moi-même. Non. Ça fait rien de spécial. J'ai plus de défense. Do not go there, you'll break the. Quoi? Ok. Apparemment, il y a des. Ah! Le casque me fait perdre du mana. Mon mana est tout en zéro, là. One of teleport. Merci beaucoup. Ah, ouais, tu penses que tu me fais mal, toi? Ouais, come on, crève. Iron Helmet, est-ce que je peux l'équiper? Non, parce que j'ai déjà quelque chose d'enchanté sa tête. It is evil. Pas pratique, ben, ben. Ok, où c'est que je suis là? Je suis là. On va explorer un petit peu par là, ouais. Bon, il y a ces sites qu'on n'avait pas ouverts encore. Oh, plain robe. Ramasser. Ready boots. Cold wand. On va équiper les bottes. J'espère qu'il était pas. qu'il était pas curse. Sérieusement, on a assez ramassé d'items curse pour. Oh! On trouve une porte là. On voit rien. Ça fait juste chier, par exemple, que là j'ai plus de mana, fait que. Ouais, on bouffait ça. Begin to fear cold. Tu sais, je bouffe du stock, mais je reste hungry, là, pareil, tu sais, c'est innocent un peu, là. Peut-être
parce que les monstres me donnent pas grand chose comme bouffe là. Bon, on va essayer de descendre un niveau. On est niveau 2, fait que. Oh, bonjour, squelette. Ah, ah, ah. Ok. Oh, un ring. Nice. Équiper le ring. Ah, pas l'air à faire rien. Fait que. Oh, ça, ça, ça remonte, ça. Ça veut dire que je veux sortir du donjon. Wow. Ok. Swing, 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 ok. C'était quoi ça? C'était quoi le message déjà? C'était B, je pense, ou N, ou V. Ouais. C'est Fire Battle, il y a Fireware, il y a Beta. Ok, je pensais qu'il s'avait passé quelque chose quand j'avais bouffé le. Le Fire Chose. Fire Beetle. Climb. Non, Climb, c'est ça. Oh, je remets le. Les tuiles par défaut, je pense que c'était lui 7. Ouais. Claire un peu plus habitué avec les autres. Swing. On s'amuse à buter des rats. Minus. Glowing Potion. Est-ce qu'on s'amuse à dipper quelque chose là-dedans? On a des gold wands. Enfin, dip dans Glowing Potion. Nothing happens. Donc ça veut dire que ça marche pas. Silver Circlet. On ramasse ça. Headless. Headless. C'est des bébêtes qui ont pas de tête, on a pris. You feel feverish. Est-ce quelque chose avec moi qui va pas? Ah, perfect shape, we don't like an even fight. Ok. Moi, je pense qu'il se passe vraiment de quoi, mais. Swing, swing, swing. Swing, swing, swing. Ok. Fun d'être invisible, pareil. Ok, apparemment j'ai mangé quelque chose sur le plancher. Scroll of Karma. Pourquoi j'ai l'impression que Karma va me foutre une volée? On va essayer de lire ça. Training, another scroll of Karma, another scroll of Teleport, another goal. One of nothing, seven. Il y a une ville en exemple, il y a une silver ring, il y a une régénération. Potion of blindness, il y a une rotting boot, plus fur lined boot. One of speed, il y a une silver circlet, ça. Warning, il y a une soft looking rock to eat. Ouais. Apparemment, mon homme, il mange des roches. Mais je bouffe, mais ça me donne rien. Je récupère pas. Je comprends pas ça, par exemple. Ça, je peux-tu juste le boire? Okay. Ça aide-tu? Pas de l'arrêter, faut voir. Oh merde. J'ai monté le level. Yeah. Fait que Adventure. Ça donne une barbare. Plus 20 points. Ah, on choisit à quel level. Ok, à chaque level, on choisit genre. Pas pire ça. Yes. Oh, bon, pas pire. Là, je mangeais un Rat Corps, mais je récupère pas. Je comprends pas pourquoi je récupère pas. Sérieusement, j'arrête pas de bouffer du stock, mais. Quoi que je fasse, je récupère pas. Je suis tout le temps starving. Bon, on va essayer de boire cette potion-là, puis je suis pas mal sûr qu'on va crever. Mais quoi? New Committed Suicide.
Bah, le plus pire, c'est que c'est là que je me suis rendu le plus loin à date. Quand même pas si pire. Vanquish, ouais, cool résistance. Ah ben, on a fait un bon bout, mais c'est ça l'affaire. Je comprends pas pourquoi. Je bouffais, tu sais, je trouvais des corps, j'y bouffais, puis je faisais eat, mais ça me mettait tout le temps en starving. On mange, mais ça sert à rien. Et en tout cas, you came in first place. J'espère bien. On a passé 15 minutes, 6 secondes. Ah oui. Mais c'était à peu près tout. Fait qu'en fin de compte, c'est ça, Powder. Si vous aimez les roguelike, carrément, c'est un petit jeu qui est bien, bien intéressant. C'est fun, vous voyez, j'ai joué une game, ça dure 15 minutes, puis pas plus, pas moins que ça. C'est juste petit fun, bien, bien fun comme ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben laissez-moi un j'aime, c'est toujours apprécié. Aussi, laissez vos commentaires, vos questions, suggestions, n'importe quoi dans la section en dessous du vidéo. Et si vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard et que vous aimez le contenu, ben abonnez-vous. J'essaie d'en sortir du contenu à peu près 2-3 fois par semaine minimum, sinon plus. Et avec tout ça, moi, je vous dis à la prochaine.